L'inquisiteur pouvait enfin affronter Thanaton. Il avait maintenant quatre fantômes à ses côtés. Quatre pouvoirs de grand seigneur Sith, en plus des siens. Il fallait néanmoins rester prudent, on ne sait jamais. Thanaton avait peut-être quelques coups d'avance, ce qui était même sûr d'ailleurs. L'inquisiteur ne s'embêta pas avec la distance. Il a atterri rapidement au milieu du spatioport. Il a pris un speeder pour finalement rejoindre son objectif. Thanaton était là, dans cette bâtisse. Il allait enfin être défait. L'épine dans son pied. Le caillou dans sa botte. Après la mort du seigneur Cineratus, je savais que tu viendrais. Un simple Sith irait se cacher sous une dune de sable. Mais de toute évidence, tu es plus qu'un simple Sith. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Les discussions te font perdre patience. Tu es jeune et fier. Tu ne vois sûrement qu'un vieil homme chétif qui attend d'être écrasé et qu'on vienne prendre sa suite. Rolan ? Oui, maître. L'apprenti d'un Sith désobéissant doit mourir. Nous devons accomplir notre devoir solennel. Cette fois, je veillerai à me débarrasser de ton corps personnellement. J'ai appris quelques trucs depuis notre dernière rencontre. À ses bêtises, maintenant! Ne le laissez pas parler comme ça. Ce serpent est un traître. Coupez-lui son crochet. Faites attention, ce n'est pas le moment de perdre le contrôle. Je vous avais prévenu que mon rituel était dangereux. Je vous avais prévenu que ce n'était pas pour les faibles. Mais vous avez bu le poison. Qu'as-tu fait, petit imbécile? Tu ne sais pas gérer ce genre de pouvoir. Que s'est-il passé? Où est Thanaton? Vous mourrez, petit serpent. Ne luttez pas, ça ne ferait que prolonger la douleur. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au sujet du lien par la force. Il ne faut jamais, jamais lier plus d'un fantôme à la fois. Sinon, eh bien, vous verrez. Qui que vous soyez, taisez-vous. J'ai besoin de réfléchir. Il veut réfléchir. Il aurait dû le faire avant de s'emparer d'un pouvoir trop fort pour lui. Avant, nous n'avions d'autre choix que vous servir. Mais maintenant, nous pouvons enfin nous amuser un peu. Sith, vous êtes de retour parmi les vivants. Calmez-vous. Tu as été trop ambitieux. Le pouvoir des fantômes était trop fort, ton corps ne pouvait pas s'adapter assez vite. Et c'est sans parler des petits discours que tu faisais pendant ton sommeil. Laisse-moi deviner, les fantômes. Il refuse de se calmer. Comment avez-vous deviné? Je sais une ou deux choses au sujet des voix qui envahissent les pensées. Quelle qu'en soit la cause, vous n'avez pas l'air de vous sentir bien. Et Thanaton en profitera à moins qu'on trouve rapidement un remède. Laisse-moi le temps de me renseigner. Ashara, je vais avoir besoin d'aide. Les holocrons n'en font qu'à leur tête en ce moment. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire à ton monstre de se calmer? Sa colère m'empêche de me concentrer. Je ne vais sûrement pas me calmer. C'est mon corps, ma force. C'est vous l'intruse. Maître,
fils. Souviens-toi, c'est toi qui étais obsédé par les ossements de toute la corde. L'idiot ne prend jamais ses responsabilités tant qu'il peut accuser quelqu'un d'autre. Je te dois une fière chandelle. Mes idées sont bien plus claires depuis l'épisode du dépôt. Et puis, j'avoue que je commence à m'habituer à ce corps. Il a ses limites, bien sûr, mais il est puissant. Évitez de prendre vos aises. Ça risque d'énerver Kem. Mais il n'a pas vraiment le choix, si ? À présent, si tu veux bien m'excuser, je dois faire quelques recherches, tant que le monstre me fiche la paix. Suite à cette petite discussion, il souhaitait discuter davantage avec les autres membres de son équipage. J'ai étudié le code Sith et j'aimerais avoir votre avis à propos d'une ligne. La paix est un mensonge. Ça ne laisse pas beaucoup de place à l'interprétation, mais je sais que vous défendez ardemment la paix. Il y a une différence entre la complaisance et la véritable paix. Les Jedi ne sont pas complaisants. Quand c'est nécessaire, on agit. Le code Jedi est le ciment de notre philosophie. On l'apprend par cœur et c'est le fondement de tout ce qu'on fait. Mais j'imagine que c'est différent avec les Sith. Le code Sith est plus une description qu'un code. Le Sith est l'individu suprême. Il y a autant de philosophies Sith qu'il y a de Sith. Et l'Empereur ? Et le Conseil Noir ? Je croyais qu'ils gouvernaient les Sith. Oui, mais comme les autres Sith, ils sont déchirés par de petites querelles. Vous savez, ça ne peut pas continuer comme ça. Comment peut-on faire la paix avec l'Empire Sith quand chaque Sith suit sa propre voie ? La tâche que nous nous sommes fixée se complique de jour en jour. Ashara était loin d'être bête. Néanmoins, ses intentions étaient louables. Après tout, elle ne veut qu'apporter un semblant de stabilité. Qui sait ? Peut-être y arrivera-t-elle. Si je puis me permettre, Excellence, comment êtes-vous devenu Sith ? Le processus m'est complètement inconnu. J'avais un frère sensible à la Force. Darkmar l'a emmené sur Corriban. On n'a plus jamais entendu parler de lui après ça. Ce vaurien ingrat pense qu'il est trop bien pour nous, disait mon père. En fait, je pense qu'il lui manquait. Si je rencontre votre frère, je vous ferai signe. Ça va, on ne s'entendait pas si bien de toute façon. Il était toujours plus rapide, plus fort, et il avait toujours un bâton à la main. Père avait toujours voulu avoir un fils chez les Sith et l'autre dans l'armée. Honnêtement, le service de récupération impériale n'était pas ce qu'il espérait, mais une fois calmé, il s'est fait à l'idée. Qu'est-ce que votre père a contre le service de récupération impériale ? Les Dreliks sont des gens fiers et mon père est simplement le plus fier de nous tous. Le service de récupération impériale protège les fondations de l'Empire de l'oubli et de la méconnaissance qui menace notre histoire. J'aimerais voir un pilote de chasseur parvenir à établir le lignage d'un seigneur Sith vieux de 3000 ans, rien qu'avec des cailloux et une langue morte. J'ai toujours pensé que le savoir finirait par l'emporter sur les sabres laser et les blasters. Merci, Excellence. C'est un honneur de vous servir. Thanos se faisait petit à petit à sa nouvelle vie dans l'équipage. Et d'ailleurs, l'Inquisiteur voulait maintenant discuter avec Andronikos. Hey Sith, on forme une bonne équipe. Je voulais partir après avoir trouvé Raik. Mais mon ancien métier ne me semble plus aussi attirant. Ce sera un honneur de vous avoir à mes côtés. Peut-être qu'un jour je vous emmènerai dans l'espace intersidéral et que je vous montrerai les frissons que procure l'attente d'un gros cargo et d'une belle récompense. Je ne suis peut-être plus de la partie, mais je suis plus vif que jamais. Après un peu de repos, une petite réunion s'imposait. Ça n'a aucun sens ! Dark Vilus est à l'origine de plus de 3000 volumes, entre les écrits et les holocrons. Il y a une remarque, j'entends des voix, je dois trouver un remède. Et puis plus rien, sur 3000 volumes, pas la moindre référence supplémentaire à ce sujet. Tu crois que Thanaton a pu toucher à tes ressources ? Ce sont des journaux ordinaires, pas des secrets de site. Il n'y a aucune raison pour que quiconque... Non, tu as raison. Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt ? Volume 2397, ligne 232. Aujourd'hui, j'ai tué mon quatrième apprenti. Je l'ai surpris en train d'espionner. Même remarque, volume 2455. Aujourd'hui, j'ai tué mon quatrième apprenti. Je l'ai surpris en train d'espionner. Tout le volume est en double.
Comment cet imbécile a-t-il su quel volume caché ? Thanaton a dû comprendre ce qu'il se passait quand il t'a affronté et demandé à ce que les volumes soient échangés, espérant qu'il ne les a pas détruits. Il a une bibliothèque privée très bien gardée sur Dromukhas. Je ne suis pas censé le savoir, mais pour certaines raisons, je le sais. Je suppose que le volume manquant de Dark Vilus ainsi qu'un volume de Dark Irathus s'y trouve. Ces deux volumes sont peut-être essentiels à la survie. De retour sur Dromukhas, il pouvait maintenant déambuler sans risque. Thanaton était parti sans aucun doute pour se régénérer, et il était beaucoup trop occupé. Vous êtes. Désolé, Excellence, mais vous ne pouvez pas entrer. Vous allez me laisser entrer. Je suis le bienvenu ici. Nous allons vous laisser entrer. Vous êtes le bienvenu ici. Thanaton conserve ses holocrons les plus utiles sur le mur du fond. Je suis sûr qu'il n'aurait rien contre le fait que vous en preniez un. C'était presque hilarant, il a fallu que l'Inquisiteur se retienne de rire. C'est une vieille astuce que beaucoup d'amis lui ont appris il y a longtemps. La preuve en est que c'est toujours utile. Il examina la quasi-totalité des reliques qui étaient présentes, même celles qui n'étaient pas vraiment en rapport avec ce qu'il cherchait. C'était une occasion inespérée. Puis finalement, il trouva un holocron particulier. L'Inquisiteur a passé en revue les nombreux écrits. Il trouve le volume 2397 de Dark Vilus. Il le parcourt et trouve le passage qui l'intéresse. Lecture. Les voix se feront de plus en plus présentes. Je devais te trouver un remède. J'ai du mal à me concentrer. J'ai entendu dire qu'une nouvelle espèce sur une planète appelée Vos connaît des rituels de guérison de loin supérieurs aux nôtres. Je dois aller voir. Le rituel existe, mais ses étranges alliés ne refusent de le partager. Ils sont secrets, réservés. Ils n'ont aucun respect pour la puissance des sites. Ils vénèrent leurs mystiques et suivent leurs ordres à la lettre. Les voix sont de plus en plus fortes. L'Inquisiteur poursuivit ses recherches et trouva un autre holocron. Il trouva plusieurs holocrons appartenant à Dark Irathus, mais un seul d'entre eux semble pertinent. Le rituel auquel j'ai procédé a libéré trop de puissance, trop rapidement. Je me désintègre vite. J'ai commencé à déverser des parties de mon pouvoir dans des holocrons. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Mes recherches portent sur un remède presque incompréhensible, tant il est incroyable. Mais je dois essayer et réussir. Il faudra pour cela me rendre au cœur de Belsavis. Un endroit si dévasté par le chaos que je tremble à l'idée d'y aller. Je n'ai pourtant pas le temps d'hésiter. Je dois y aller, maintenant ou jamais. Et il quitta Dromukhas. Quelque chose qui a l'air intéressant. Excellent. Ashara et moi allons avoir besoin d'un peu de temps pour les étudier. En attendant, vous pourriez aller voir Harkoon pour vous assurer qu'il sait que vous êtes en vie et qu'il ne doit pas prendre de liberté avec les épreuves. Je sais qu'il vaut mieux que j'évite de te confier mon apprenti. Ne vous inquiétez pas. Votre petite Jedi est intelligente. Elle garde ses distances. L'Inquisiteur put partir l'esprit tranquille sur Korriban, et voir s'il pouvait enfin obtenir son nouvel apprenti, même si c'était peu probable. Il se demandait lesquels sur les quatre avaient pu se démarquer. Lequel était le plus sage, le plus fort, le plus malin, et surtout le plus patient. L'Inquisiteur avait lui-même expérimenté Harkoon. Il était loin d'être le plus facile. Néanmoins, c'était aussi une source de force. Une fois arrivé à l'Académie Sith, il se dirigea immédiatement au bureau d'Harkoon. Et il eut une bonne surprise. Le
L'heure de ta mort a sonné, Twi'lek. Ce sera un plaisir de te tuer. Ma Kingsa. Assez, vous deux. Vous connaissez votre épreuve. Partez. Excellence, vous venez de manquer l'épreuve. Comme vous pouvez le voir, nous avons un groupe féroce. Sauf l'humain qui est mort étonnamment vite. Ces épreuves ont pour but de distinguer les forts des faibles. Que de chemin parcouru, Excellence. Personnellement, je mise sur celui à trois yeux. Il est encore plus laid que ma grand-mère Cite difforme, mais il a un côté cruel peu commun chez les esclaves. Je prends le pari. Je mise sur le caliche. Je ne vous pensais pas du genre joueur, Excellence. Puisque vous êtes là, il y a quelque chose en particulier que vous attendez de ces épreuves? Beaucoup de seigneurs Cite profitent des acolytes pour récupérer des objets dans les tombes. Quoi que vous leur demandiez, faites en sorte que ce soit difficile. Je ne veux pas d'un apprenti faible. M'avez-vous déjà vu tolérer la faiblesse? Je vous contacterai lors de la dernière épreuve pour que vous puissiez arriver à temps pour les résultats. Puis il retourna sur son vaisseau. Zach et moi avons examiné les informations que vous avez trouvées dans la bibliothèque de Thanaton. Des informations pour corroborer les rumeurs selon lesquelles il y aurait une vieille et grande prison de la République sur Belsavis. Maître Ryan a dit quelque chose allant dans ce sens, mais je n'ai pas voulu y croire. Malheureusement, Belsavis semble être la piste la plus prometteuse. Dark Irathus y est allé pour chercher un remède à la détérioration de son corps. Ça ressemble beaucoup à ce dont tu as besoin. Je ne veux écarter aucune option. Continue à te renseigner sur Vos pendant que je vais sur Belsavis. Oui, Excellence. Mes renseignements sont limités, mais je t'en ferai part quand on s'amarrera à la station spatiale de Belsavis. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai retrouvé. Je pensais l'avoir perdu il y a plusieurs planètes de cela. C'est une sorte d'artefact ? C'est une dent de proto-rancore vieille de 4000 ans. Regardez, vous voyez ? C'est du métal, pas du cortose, mais quelque chose de proche. Ce rancore était apprivoisé. C'est ma toute première découverte. Je l'ai toujours sur moi en porte-bonheur. Je pensais l'avoir perdu en chutant dans une vieille tombe lors d'une précédente fouille. En fait, elle était dans la doublure de ma poche. Sur Korriban, j'ai extrait un artefact d'un holocron que l'on pensait impossible à ouvrir. Vous voulez parler de la pyramide dans le tombeau de Marka Ragnos? Comment vous avez fait? Avec un excavateur à ultrasons? J'ai tué 30 Tokata et je me suis couvert de leur sang. Incroyable! Comment en êtes-vous arrivé à 30 exactement? Il y avait un indicateur sur l'objet ou c'était une extrapolation? Les méthodes Sith sont une source intarissable d'émerveillement. J'ai pris l'une des faces de la pyramide et j'ai tracé un cercle reliant chacun des trois coins. Fascinant! C'est une méthode étourdissante! Pas étonnant qu'il ait fallu tellement de temps! Je vous admire, Excellence! Mais si vous permettez, j'ai de nouvelles découvertes à analyser. L'inquisiteur respectait Talos Drellic, mais il ne voulait pas tout lui révéler. Après tout, le secret est aussi une source de pouvoir, en particulier chez Sith. Il voulait maintenant parler à nouveau à Shara. Excellence, j'ai une faveur à vous demander. Notre mission. On ne peut pas espérer réussir sans aide. Qu'es-tu en train de suggérer ? Je suggère qu'on recrute plus de Jedi. Hein ? Oui, je sais. Des Jedi pourraient nous aider. Ceux qui comprennent que seul un empire rationnel et fort pourrait nous conduire vers la paix. Tu penses sûrement à quelqu'un en particulier. Maître Simon Walls est connu pour être un Jedi sage et ouvert d'esprit. Il a conduit le seigneur Sith Karus Veil à la lumière et il a veillé à son initiation parmi les Jedi. Il s'est retiré sur Alderaan pour étudier et méditer, mais les jeunes Jedi vont encore le voir en pèlerinage. J'aimerais faire un pèlerinage et, si possible, obtenir son aide.
J'accepte toute l'aide qu'on peut obtenir. Je reviendrai vite, c'est promis. Je ne peux pas le croire. Ne suis-je pas un Jedi? Il dit que je ne suis pas un Jedi. Tu as rencontré Maître Seaman. Que s'est-il passé? De Maître Seaman. Je suis venu lui demander de l'aide et il m'a tourné le dos. Ce n'est pas juste. J'étais le meilleur Padawan que Maître Ryan et Maître Ocera n'aient jamais formé. Je suis un Jedi. Il ne faut pas que les paroles d'un abruti te dérangent. Vous avez raison, je dois me calmer. Il est trop borné pour comprendre. Le retour des Sith ainsi que cette guerre ont changé la donne. Il faut parfois faire des compromis. Oui, je me fiche de ce que Maître Seaman a dit. Merci Excellence de m'avoir aidé à démêler cette affaire. Il retourna dans ses quartiers pour se reposer. Les fantômes l'avaient vraiment affaibli. Il sentait que son pouvoir lui échappait, le contrôle lui échappait. Il allait mourir s'il ne trouvait pas une solution. Belle Savis serait sa guérison. Et ce, peu importe le prix.